Ça tourne. Ça, c'est génial. Hop. Je te fais ton petit truc à la tienne. Vas-y, lâche-toi. Hey, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Pierre Meunier, normal, c'est sa vidéo, mais aussi de tout le groupe du premier stage de F3K. Donc malheureusement, il pleut un petit peu en ce moment. On va attendre que ça se calme et en attendant, on fait un peu, on va voir les réglages. Voilà. Super. Cool. Les gars, on voit le soleil. Nickel. Ouais, bon, alors, voilà, l'intro n'a pas été faite par moi, là, vous m'avez entendu parler un petit peu avant. Donc, voilà, on est à mon premier stage, je vous avais dit que j'en ferais un, et voilà, on y est, et franchement, ça a mal démarré. Il y a eu la pluie, il y a eu de l'orage, tout ce qu'on pouvait espérer de pire, en fait. Et bah maintenant, en fait, on a presque ce qu'on pouvait espérer de mieux, parce qu'on n'a pas de vent, on n'a pas chaud, on n'a pas froid. Les thermiques sont là, tout le monde s'éclate, tout le monde progresse, et franchement, ça, je pouvais pas demander mieux. Là, en plus, voilà, je pense que vous m'avez déjà entendu le dire, j'ai en plus des gens qui écoutent vraiment ce que je leur dis, et ça me fait extrêmement plaisir, parce que du coup, en 10 minutes, ça progresse vraiment bien, parce que j'arrive à déterminer ce qu'il faut améliorer, et ça marche, quoi. Et ça, c'est hyper gratifiant, autant de mon point de vue que du leur, parce que c'est vraiment un échange qui est génial. Et moi, je suis extrêmement heureux de pouvoir leur apporter les connaissances que j'ai. Voilà. Donc voilà, on va continuer doucement la journée et on va bien s'amuser. Et donc, voilà, on en est à un peu plus de la moitié du stage, facile. Et t'en penses quoi, Aristac, pour l'instant? Alors, bah, il a plu un peu beaucoup, mais tout le monde s'est amélioré, c'était sympa. Et toi, t'as travaillé quoi plutôt? Moi, j'ai travaillé beaucoup le lancer et la stabilité du planeur en l'air. Ouais. Donc être linéaire, être ce genre de choses. Bien. Bien. Voilà. Ça correspond à tes attentes? Oui. Oui. Cool. Il pleut. De nouveau l'arrêt. Voilà, la pause repas faite. Bon, j'avoue, il est pas tôt, mais quand même. Hein, on a su profiter des moments où il pleuvait pour manger, des moments où il faisait beau pour voler. Là, bah, il y a du soleil, hein. Donc là on va vraiment profiter, et c'est maintenant qu'on va attaquer la détection de thermique, comprendre la loi du troisième vecteur sur le terrain, etc. Vraiment, donc là on va tous se mettre en piste, et c'est parti. Thank you.
on en est à 1,43. On two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. On en a une minute. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Une minute. Regarder la vidéo, je viens de la monter et donc je fais ma conclusion parce que voilà, ça m'a permis aussi un petit peu de me remémorer tout ce qui s'est passé. Je voulais vraiment dire un immense merci à tous ceux qui sont venus et j'espère vraiment que vous avez passé un super bon moment, vraiment autant que moi, et que vous avez appris plein de choses, que j'ai répondu à vos attentes. J'espère aussi que ça va potentiellement donner envie à d'autres de pourquoi pas participer à un stage. Sachez que voilà, je peux en organiser vraiment partout, hein, tant qu'il y a le nombre de personnes, c'est tout bon. D'accord ? Donc si vous voulez plus d'infos, juste contactez-moi, soit, enfin,
Le mieux, c'est mettez un commentaire et après, on essaie d'échanger par Facebook. Sinon, envoyez un message directement sur ma page Facebook, donc F3K Review. Et donc, je pense aussi, pourquoi pas, faire des stages type construction de planeur, réparation, vraiment typé réglage aussi. Donc là, j'essaie de faire un tout, mais c'est vrai que faire tout, ça devient aussi pas forcément assez structuré. Après, je ne connaissais pas tellement le niveau de chacun. Donc voilà, je me suis dit, vaut mieux laisser le plus ouvert possible pour répondre au mieux aux attentes de chacun. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, si un stage vous tente, mettez un petit commentaire. Et si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt, ciao.